Allez, mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci beaucoup de la confiance renouvelée à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme CML13 Télévision. C'est parti pour 45 minutes d'échange avec nos invités, des sujets retenus. Nous allons parler cette fois-ci ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, sur presque partout, que l'IGF, cette fois-ci, il favorise les détournements. L'IGF qu'on croyait comme ça pouvoir enquêter, pouvoir traquer les détourneurs, mais cette fois-ci, Jules Lalinga était accusé à la manœuvre de détournement des deniers publics. Est-ce que cela favorise, est-ce que le travail que l'IGF favorise justement les détournements à la tête d'autres pays? Parce que l'inquiétude est que, selon plusieurs observateurs, ils disent justement que depuis que l'IGF a commencé à faire son travail, depuis que Gilles Alinguette a commencé à enquêter, le détournement ne prend pas fin. Pour quelles raisons? Mais cette fois-ci, on l'accuse, cette fois-ci, par le procureur général près la Cour de compte, qu'il serait à la manœuvre de plusieurs détournements de plusieurs millions de dollars américains, justement, grâce au contrat signé avec plusieurs entreprises de la République démocratique du Congo. Est-ce Jules Lalinga est-il impliqué, comme ça s'est dit? Et s'il est impliqué, que faut-il faire? Est-ce qu'il faudrait interpeller Jules Lalinga parce qu'il est complice de détournement de deniers publics? Voilà, on va réfléchir aussi avec nos invités sur cette question liée à l'UDPS, le parti présidentiel, le parti au pouvoir, justement. Au sein de ce parti, il y a Geiger. Est-ce qu'il faudrait que Augustin Kabuya puisse partir et laisser la place à d'autres personnes pour gérer le parti? Est-ce que Augustin Kabuya le fait mal? Qui, justement, est à la manœuvre et à la base, justement, de cette guerre au sein de l'UDPS, le parti au pouvoir? On en parle avec nos invités. Ils sont avec moi sur ce plateau de CML13 Télévision. Jeanville Mukuna, il est du parti politique écolo. Raphaël Kimbuta, il est du parti politique SID de monsieur Martin Fayoulou. Moïse Kilolo, il est du parti politique RDT, ainsi que Rabhi Epala. Rabhi Epala, il est communicateur de l'opposition, il est cadre au sein de l'école de communicateurs, du côté opposition à ma droite et du côté pouvoir à ma gauche. C'est avec ces quatre jeunes, nous allons réfléchir autour de ces questions. Vous savez, notre émission a un seul principe, c'est de promouvoir la jeunesse, donner de la parole aux jeunes capables de décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Et surtout, que je rappelle que l'émission est bilingue, c'est avec ces quatre personnes que nous allons discuter autour de ces 45 minutes. Je commence avec Jeanville Mukuna. Bonjour et bienvenue à vous. Vous avez 5 minutes déjà pour réfléchir sur cette question. Jules Lalinga est-il complice de détourneurs cités depuis plusieurs années à la tête, enfin au sein de nos institutions de la République? Merci beaucoup, cher Nathan, pour l'invitation. Merci pour la confiance renouvelée. Je salue tous les Congolais qui ont eu justement l'occasion de nous suivre à ce moment si précis. Je salue mes co-débatteurs, en face de moi mon ami de tout le temps, Epala, ainsi que Kimbuta, ainsi que mon frère qui est Moïse. Je salue les cadres et militants de ma formation politique écolo. Le parti de ma génération, oui, c'est le parti de notre génération tous, parce que chez nous là-bas, on dit écolo, le parti de ma génération, le parti de notre génération, le parti de ta génération. C'est-à-dire, il est question dans notre parti, c'est écolo comme vous l'attendez dire, c'est dans l'ensemble, c'est pour nous nous battons pour justement pour la cause qui est notre pays, la République démocratique du Congo. Je salue le président du parti, Chris Mukendi Kabemba, ainsi que le secrétaire général, Maître Jacob Mbangi. Si vous le permettez ici, en termes de biscuits, je m'en vais directement à Koye Bisandeko Lusinde, le DG Yasnel. Kendeko Lusinde, ba communicateur, ba na problème na yo mon côté. Tout ça na problème na yo te. On n'a pas un problème personnel avec la personne, il y a Lusinde, M. Lusinde. Tout ça, on a un problème là. Justement, nous dénonçons, et plutôt qu'au télémela, mes gestions, parce que, Eko Simba, population Mobimba,
yamboka na biso. Lorsque courant ezali malamouté na ba commune Songolo Pakala et sengeli to dénoncer yango na boye yo okozongela na ba service na yo, c'est-à-dire ba directeur oyo bazali na mokumba wana kokende ko interpeller bango pour que ba bongisa ba améliorer côté ya lotilique. Mais aujourd'hui, chose grave, ils ont lu que M. Lucinde, le DG, a commis Kokangisa, le communicateur, a déposé qui mandat d'amener la Ndeko na biso communicateur Prince Kinana. Dieu merci, parce que na lisanga pe ya ba communicateur, tozali na ba avocat o bazali vraiment, ba yebi mosala malamu, ba sala ki mosala na bango, Ndeko Kinana, azali libanda. Maintenant, ko singa na ndeko Lucinde, nzela oyo emprunté ya ko kangisa ka ba communicateur eza malamu te, parce que nous les communicateurs, on n'a pas un problème personnel avec vous, monsieur, s'il vous plaît. Justement, il faut améliorer qualité na ba commune ou bien na Engomba Mobimba République démocratique du Congo, courant place ezate, toza na obligation en tant que ba congolais. Yako ya ko interpeller ba service na yo na yo mobimba. Yako ye bisayo ke courant ezalité bongisa. Très bien. Mais si projinze la wana yako kangisa ka ba communicateur, moi je vous demanderai ici yako stopper un peu vous intercepter na nzela wana kozwa eza malamu mingi te. Sujet. Si na yo awa na yo kiyo na antam na yo tokobeta lisolo ya Jules Alingeti. Cher Nathan, je suis vraiment déboussolé ici, il y a comment on a que quelqu'un comme M. Jules Alingeti, un monsieur sérieux, un monsieur qui n'a pas de tâches, un monsieur honnête. Je pèse très bien mes mots et je dis il est sérieux, ça engage que moi. N'a pas investigation na sali, n'a moni que il n'y a pas meilleur que lui. Na institution wana ezali IGF. Parce que vous vous souviendrez que l'IGF exista déjà ba décennie passée. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec l'IGF, tout monde en goûté ni pendant 18 ans, il y a Ndeko Kabila. Parce que pendant 18 ans, il y a Ndeko Kabila. Vous serez d'accord avec moi ici sur ce plateau que même les mots IGF, ba Congolais Moussousou, ba yeba ki en goûté. C'est parce que le président de la République, il a donné, il a confié une mission à un homme qu'on appelle Jules Alingeti, à Ebisieke, et Sengeli, to déboulonné, système ya détournement. O ezo salake mboka eke ndeli bosote. Et Jules Alingeti, andimu mukumba ena, a porté yango, a komina IGF. D'abord, un, IGF, il y a un bâtiment, il y a un inspecteur, il y a un bâtiment. Jules Alingeti a eu la réforme dans le cas de IGF. Premièrement, il a recruté un inspecteur. Parce que, il y a un inspecteur qui a été belé pour que les différentes institutions puissent faire un contrôle, faire un audit. Il y avait un problème effectif. D'abord, un, il y avait un inspecteur. Et M. Jules Alingeti, dès qu'il a pris les commandes, les commandements, il y a IGF, a bandi nanon à recrutement. Aujourd'hui, on l'accuse. S'il vous plaît, non, j'arrive pour la revenir sur ces, sur ces dossiers. S'il vous plaît, je suis en train de faire des analyses pour faire comprendre que il y a une main noire derrière tout ça. Parce que on ne peut pas comprendre. Mon cannabis, j'ai comme l'impression qu'il y a un déconnant. Tolingi, quelque chose, est son contraire. Et Tolingi, incompétent, Tolingi, compétenté. Quand un monsieur comme ça, il arrive, n'a pas compétence, ça y est, à Tiango, un exemple. Il y a qu'au Tiango, un service, il y a nation. Mais tout comme on a Batomosusu, animé de mauvaise foi, Balingi, nuire moto yo. Ah, donc vous pensez que le procureur général a pris le problème ici, ce n'est pas, s'il vous plaît, le problème ici, ce n'est pas quoi que ce soit, les détournements et quoi qu'on sort. Le problème ici, c'est le monsieur Jules Alingeti. Balingi, il est sous ce qu'on a été, parce que l'objectif, c'est à quoi étouffer.
parce que Azali cible Nabango. Non, mais Jean-Pierre, attendez, laisse-moi vous relancer. Mais comment ça s'explique lorsque j'ai allingé ta kokangami, ako dénoncé, enfin, à Sali Banquette, bah, Monique, il y a eu détournement. Bah, dénoncé, en gros, que tel monsieur détournement Salami. Mais le comble est que détournement est si laté et continué. Parce qu'on aurait, bien voulu voir que le fait que Gilles Alingueta a dénoncé que telle institution détourne mes salami, qu'auteur détourne mes salami, bah, Missou Soubalinga qui cobanga. C'est vrai, l'IGF n'a pas le pouvoir d'arrêter, mais au moins simplement le résultat, banquette, a ko salawana, et l'inga qui est bangi, ça va, Missou Soubalibate. Mais on constate, bien qu'il est en train de faire son travail, il y a qu'à enquêter et puis qu'on mettre à la place publique, mais les tournements ont continué. Pour quelle raison? Raison pour laquelle Bakongomani Bakani, c'est que lui également, il serait impliqué. Raison même aussi de ce dossier. Il y a Mion Obazo Fundae, pas procureur, pris la Cour de compte. Je vous rappelle que s'il y a aujourd'hui dénonciation, il y a détournement, soupçon dans l'Assemblée et dans le Sénat, c'est parce que Gilles Alinguete avait dû urgenter enquête Mokokuna, je vous rappelle. Si aujourd'hui Ndeko Mbosso, il a eu des problèmes parce qu'il y a des boursiers qui mbongo et qui n'a eu qu'un camion, ou soi-disant, et à Somela qui va personnel et ensemble, mais tout cas, c'est parce que IGF a dénoncé. Il y a plusieurs cas comme ça. Oui, plusieurs cas. Mais les détournements ne définissent pas pourquoi. Vous me posez la question. Non, attendez, laissez-moi. C'est moi qui ai la réponse. Oui, je vous pose la question. Oui, plusieurs cas qu'il a dénoncé. Mais pourquoi les détournements ne finissent pas? Parce qu'on devrait voir qu'à force de dénoncer, à force d'enquêter, la institution, moi, détournement, comme je quitte, moi, comme je parle, attention, quand les gens viendront chez moi à enquêter, à côté à la place publique et qu'on a la Sony pour et puis pour la Moussa, on a ça la pour la République. Mais ça continue toujours davantage. Pour quelle raison? Merci beaucoup. Je vais rappeler ici aux Congolais que l'IGF comme institution n'a pas prérogative na bango. OPJ. Je suis avec un juriste avéré en face de moi. OPJ. Un OPJ n'arrête pas. Voilà pourquoi kaka na place na yo na senga kana mokonza mboka na ebisie ke a élargir ba capacité to ba prérogative ya IGF alors on a OPJ a kené na ministère public parce que nous le savons très bien que ministère public mission na ezalaka ya koluka ba infraction pe ko déférer ba auteur ba infraction wana na ba juge compétent. C'est que aujourd'hui là l'IGF, même s'il va dénoncer, même s'il va faire ses contrôles, l'IGF n'a pas l'autorité, n'a pas le pouvoir, n'a pas les qualités de faire arrêter très quelqu'un. Bien. Écoutez, s'il vous plaît, je vais citer par là. Justement un acharnement contre je vais citer par là. Très bien. Détournement, soi-disant des détournements là. S'il vous plaît, ici, qu'est-ce qui se passe? L'IGF a envoyé ses inspecteurs à la GECAMIN pour faire les audits comme les contrôles. Et arrivé là-bas, le monsieur le procureur, parce que je peux même brandir des vidéos, j'ai ça ici, dans mon téléphone. Il dit ceci, l'IGF a envoyé ses inspecteurs, il parlait des trois inspecteurs. Arrivé là-bas, le comble ici, c'est parce que pourquoi la GECAMIN a fait sortir l'argent pour payer comme mission de ces inspecteurs-là. Et là, il a fallu que l'IGF puisse donner à ses inspecteurs l'argent des frais de mission. Mais ça peut créer un problème. Si la GECAMIN comme institution, comme une entreprise, comme l'établissement, il a donné l'argent aux gens qui sont venus en mission, peut-être en question, peut-être il y a logement et construction. Non, mais est-ce que vous pensez que c'est un problème? Attendez, écoutez, vous pensez que c'est en quelque sorte, je l'ai dit, une corruption morale? Pourquoi? Parce que les inspecteurs viennent faire le travail dans ton entreprise et toi tu leur donnes l'argent. C'est en quelque sorte une manière de leur corrompre. Les gens sont venus. C'est moi qui. Non, mais c'est à l'IGF. Attendez. L'IGF a envoyé ses inspecteurs aller faire le travail à la GECAMIN. Monsieur Nathan, les inspecteurs là, ils ont quitté Kinshasa pour Lubumbashi. Très bien. S'il vous plaît. Ils ont laissé leur foi. Non, s'il vous plaît, je vais citer. Je vais citer pour vous dire que le procureur près la Cour des comptes n'a pas d'abord qualité d'appeler Gilles Alinguette.
Ici, peut-être mon frère en face, il va me contredire. Parce que si vous lisez la loi organique, pourtant l'organisation et fonctionnement, il y a cour des comptes. Balobi que esakaka président à cour des comptes. Ne a koki ko bengi saji la lingete s'il y a de soupçons comme ça. Le procureur n'a pas qualité d'inviter monsieur Jules Alinguete. Et j'ai des vidéos ici. Le monsieur là, le monsieur le procureur, il est en train de dire que parce que ses relations ne sont pas au bon fixe avec monsieur Jules Alinguete, le monsieur Jules Alinguete, ses relations seraient au bon fixe avec le président de la cour des comptes. Voilà pourquoi hier le colazo s'est retrouvé te c'est le colazo nazo yokana no malamu non ko yokana na kimbuta te. Alors binomi balé yo za président yo wana za PJ le colanga ko yokana no malamu hier non ko yokana na été hier siko ko lukela nga likam. Très bien, merci. Allez, je reviens à vous, c'est pour vous dire, c'est juste que s'il vous plaît, ba nuire 9 minutes, vous avez consommé 9 minutes, merci beaucoup. Allez Raphaël Kimbuta, même ton antenne, ne vous inquiétez pas. Même ton antenne, chacun. Allez, c'est très équilibré. Allez, Raphaël Kimbuta, IGF. Est-ce que vous connaissez que Yende, Yepa Azali 4, 4, Yabate, Obazo, Salamarambo, Yaniamou, Yambo, Nako, Détourné, Mbongo, Yamboka. Parce que, après, Akea Sali, bah, enquête, bah, dénonciation, Ebele, mais cette fois-ci, Yemoua Koei, Naliboulo, Bazo Funda, cette fois-ci, Jila Linkete, Naba Détournement, Yaba Mongo, Mbele, Raphaël Kimbuta. Ndebo, merci très cher Nathan. Tout d'abord, je salue d'abord mes co-débatteurs. Je salue encore tous les cadres de l'ECID ainsi que le président légitime Elie Martin Fayoul. Cette affaire continue toujours, s'il vous plaît. On doit avancer, s'il vous plaît. Cette affaire du président élu, c'est passé. On Nathan, a déjà oublié. Ça vous dérange? Non, mais cette affaire ne doit plus. Non, ça dérange, ça dérange les Congolais. Les Congolais dans l'ensemble ne sont même pas dérangés. Pourquoi? Parce que Martin Fayoul continue toujours à détenir la légitimité du peuple. Très bien. Ça, bon, avançons alors. Je ne vais pas planter là-dessus, mais il est le reste, le président légitimement élu en 2018. Mais nous sommes en 2024. Non, mais 5%. Bon, en fait. Avant d'abord, il y a répondre à la question. Nous avons un dossier de Kounata. Tu sais que nous sommes dans un pays démocrate et puis pays moins aimable sur le plan mondial. Mais je me sens un peu lésé ou bien je me sens un peu mal à l'aise avec ce qui se passe au niveau de la police routière. Ceux qui ont tamboli même yo bande konangai, ceux qui ont tamboli, tu vas comprendre que nous y a phénomène moko sala makana bitesse que militaire ou bien police routière appelle ça véhicule moto ou bien appelle ça moto à ça quand ta véhicule ne moto, ça dérange. Donc na ébité au moins la moto mais non. Oh. Policier, asa censé à moto, asa na kata moto ka abangaye. Pourquoi? Parce que à la teni, ose ko représenter nation mubimba. Mais moto, asa na abangaye moto, asa na kati. Maintenant, moi, ce qui me dérange, est-ce que policier appelle sa rambote na moto ka ou bien appelle sa rambote na kati à moto, asa na kati à moto ka? Ça dérange tellement, bah, policier, boko fingi samboka. En tout cas, je n'ai rien contre vous, mais ça dérange. Non, papa, dire la vérité, c'est. Il faut pas préciser que tu as rien contre eux. Que tu as quelque chose contre eux, ce serait la vérité. Non, mais ça reste la vérité, papa. Parce que c'est constaté, bah, qu'au moment où on se bat, on a rien. Donc, on dénonce, ou bien moi, je dénonce cette façon de faire des choses. Et ça bien été, et ça fin que ça bisso. C'est là où j'interpelle directement le général Kilimbalimba. Ah, mais Kanan Koukota, taille moi, à ce camouflage à la bacate à ma catch. Il va comprendre que non, ça ne va pas. On est vraiment certain. Donc, c'est J'aurais appris. Ok. Qu'il aurait informé aux Congolais de rentrer avant 22h. mais ça, c'est trop grave. J'aurais appris qu'il aurait demandé aux Congolais de rentrer avant 22h pour éviter de tomber dans l'embuscade de Koulouna. Donc les Congolais rentrent avant 22h. Pourtant, la police est là pour sécuriser les Congolais. Mais ça, c'est trop grave. Allez-y. La police, c'est sécuriser papa. La population et leur bien. Mais ceux qui gênent un général, donc numéro 1, la police, ça peut se communiquer. Parce que moi aussi, je vis quand même les communiqués dans des réseaux sociaux.
ya koloba keno toko marozonga na ndaku à partir de 22h. Donc ce qui m'occupe, ça censé contrôler l'information, mais l'information est échappée à combien plus nous les citoyens lambda. Donc ça c'est trop grave, ça nous dérange un peu. Très bien. Sujet, monsieur, on y va. Non mais avant d'en compter un sujet, ils ont le souci, ça dérange encore. Qu'est-ce qui se passe en 30 secondes? Moi, il y a bande konanga, il y a union sacrée. Daniel Bumba aujourd'hui il totalise, si je ne me trompe pas, 2 mois depuis que Aza déjà élu comme gouverneur. J'estime que non, ce monsieur, il bouffe dans bon haut, il y a un contribuable congolais. J'estime que monsieur, parce que j'aurais appris que non, là, la soirée d'hôtel, pour ne pas citer les noms, il y a un hôtel. Donc, il hôtel paye... de luxe. Oui, de luxe, voilà. Mais alors qu'on fout à Nata, on fout à 20 000 $ chaque jour, chaque nuit. 20 000 $. Donc, Daniel Mbumba, nous il manque 20 000. Mais oui. Ah, Ndeko. Mais c'est ce qu'il a mis à ma preuve dans un ango. Mais ça, papa. Daniel Mbumba, et puis son moni, et loco, il y a toilette, il y a qu'on a visité, il paraît sur les toilettes, les salités, Mgobilati qui a mon salité. Tout ça, c'est pour se justifier. Mbongwana. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, aux amours de la vérité. Il faudra te le vérité, s'il vous plaît. Est-ce que ça va justifier? Est-ce que ça justifier oui ou non? Ou est-ce que ça va niveau? Mais ce qui est vrai, c'est que l'hôtel de ville est à salité. Mais non, mais je ne comprends pas. C'est là, nanou, c'est là, nanou. Au moins, il y a place d'administration côté Ouana, au Kimbuta, Tika Ouana. Il y a place à Tongi, à Sikate, mais place Ouana, Tika Ouana. Et ça, salité, bongo. Ils ont salité bon. Mais là, c'est pas la vérité. Non, mais salité, si on a justifié, justifier, mais la vérité reste la vérité. On a plateau dans la vérité. Mais vérité, donc, voilà, tout le monde a vu ça, tout le monde a constaté quand même que c'est la vérité. Parce que le fait est là. Maintenant, le vrai problème, c'est là, n'empêche pas. Ou bien, il y a un homme de pousser Daniel Bumba, moi qui ne vous fais dans un hôtel, ils ont foutu à 20 000 $. S'il vous plaît. Mais non, quand même, c'est beaucoup, quand même, Nathan. Très bien, donc, allez, on va sur le sujet. Daniel Bumba, à côté, donc, il est capable de réformer le gouvernement. Et puis, à quoi qu'on était, le gouvernement, président de l'Assemblée provinciale a convoqué. Bah, investir, bah, on va investir, bah, ça c'est vrai. Parce que Kinshasa, ça c'est vrai. Il y a une urgence. Oh, il y a des Daniel Bumba qui ont tenu compte. Ça c'est vrai. Parce que, il faudrait rappeler que Jacques Kabou a également béni sa carrière. Tout à fait, mais le gouvernement, Jacques Kabou, ils ont déjà marché. Donc, Daniel Bumba doit tenir compte. Il y a une urgence. Oh, il va y en a 4 minutes. Revenez maintenant au sujet. Ok, arrêtez. Il y a déjà 4 minutes dans le biscuit. Revenez maintenant au sujet. En ce qui concerne l'IGF, moi je pense que. Bandeko, il y a une union sacrée. On a pouvoir na bango. Et ça, d'abord, il faut que pouvoir moko et se protéger. Donc, en français, les loups entre eux ne se mangent jamais. Les pouvoirs de Bandeko. J'aurais appris que non, l'IGF a recruté un inspecteur. Et après avoir recruté, a formé bango mais bon wana il paraît ce qui comment je camine après sa contribution moko na kata IGF pour que ba formé ba inspecteur mais ndekonani comment il s'appelle Gilles Alinguetti, c'est le même tête qu'on forme chaque année. Ça j'aurais appris, c'est le même tête que IGF a formé. Alors formé pas tout le monde, donc ça c'est une ville boy ça chaque année formé. Donc, Ndeko Janville a chaque année formé. Et puis, quand Janville a été en mission, il y a des problèmes dans la carte à IGF. Ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même financé pour que l'inspecteur recruté ne soit pas formé. Il ne faut pas laisser les mensonges comme ça. S'il vous plaît, il faut noter. Vous allez voir. Quand il y a les mensonges comme ça, il ne faut pas laisser passer. J'ai quand même une finance, après ça rend bon pour l'inspecteur recruté pour que ça la forme. Ça, c'est vraiment c'est une très bonne chose. Mais l'IGF ainsi, parce que quand je cite l'IGF, je vois directement Gilles Alinguetti. Gilles Alinguetti, à Zoraka, à Bonika, on est en Janville. Chaque année, c'est Janville qui a formé. C'est chaque année, Janville qui a fait la banquette. Ça dérange quand même, on a compris. Non, mais les messieurs, chaque année, il y a un inspecteur qui est formé. Oui, c'est profite avec cet argent-là à Tchakayango, la poche. C'est là où les débat blesse. Bah c'est que l'homme souhaite devenir se justifier. Bonwana et Kindaka. Parce que on ne comprend pas. On ne comprend pas de nouvelles. De nouveaux textes.
Merci beaucoup. Merci. Parce que dans la mission, il y a Rasumbalé, ça. Jean-Ville qui se présente. Parce que dans la mission, il y a Kenge. Jean-Ville qui se présente. Parce que dans la mission, il y a Bounagana. Jean-Ville qui se présente. Parce que dans Malé Mankoulou, c'est Jean-Ville qui se présente. Ça dérange quand même. Très bien. Ça dérange quand même. Donc, Raphaël Kimouta. Et puis, si on n'a pas si ma casse, alors, dossier, wana, en tout cas, je n'ai pas vraiment de maîtrise pour parler, mais bah, l'élément on a mis, c'est ça, mais l'élément on a toujours détenu. Très bien. Tozo Landela Yango, bien pour dénoncer Makambu IGF. Très bien. Il n'est pas sain. Merci beaucoup. Allez, Raphaël Kimouta, selon lui, il pense que l'IGF n'est pas sain. Bon, on ne tourne pas dans la racine à la terre. IGF, c'est dans la 4 Banyamou, Niamouana. Allez, Moïse Kilolo, RDT, vous avez la parole. Cette fois-ci, en 9 minutes aussi, comme les autres. Votre lecture sur le fait que Jules Aling était, cette fois-ci, accusé. Est-ce que c'est un acharnement au regard de tout le contrat signé avec différentes entreprises? Le procureur général près la Cour de compte évoque des détournements des deniers publics de plusieurs millions de dollars. L'IGF, Jules Aling était l'inspecteur général, cité lui-même énormément sur ces dossiers. Est-ce qu'il faudrait qu'on puisse enquêter ou savoir également si Jules Aling était impliqué, et à la limite, le sanctionner? Parce que, vous voyez, il est inspecteur général de finances, lui ne peut pas tomber dans des malversations financières. C'est-à-dire qu'il doit être un modèle. Si seulement on constatait qu'il est vraiment cité énormément et le fait sont avérés, est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il puisse, en tout cas, lui, subir, en tout cas, la rigueur de la loi? Question que les autres ne puissent pas tomber également dans ces malversations financières. Merci beaucoup, Monsieur Nathan. Premièrement, je vous remercie pour l'invitation. Je vous salue, je salue aussi mes co-débatteurs. Je salue tout le patriote qui nous suit en direct. Et je salue aussi le président de mon parti politique, de notre regroupement, le docteur Sylvain Moutombo. Vraiment mes salutations. Et tous les cadres du RDT, je vous salue. Je salue tous les cadres des partis politiques, mouvement de Tshisekédiste pour la victoire dont je suis président. Et je salue tous les combattants de l'UDPS qui sont en train de lutter pour chasser Kabuya les compétents au sommet du secrétariat général. C'est chaud là. Il y a quelque chose qui me dérange aussi. Je dois en parler maintenant. C'est le problème de la jeunesse. Très bien. Être jeune au Congo est devenu une fraction. C'est une chose qui dérange tout le monde. Moi, je viens de Tchang. Je suis natif de Massina. Très bien. Et comme moi, Tchang, natif de Mokali, de Hakim Bantseke. À Tchang, être jeune, c'est une fraction. Monsieur le ministre de la Justice, à Tchang, laisser beaucoup de cheveux est une fraction. À Tchang, se tenir debout deux ou trois jeunes en train de discuter sur les choses du pays, c'est une infraction. Bozo Tonga, chef de l'État, moi je suis d'élu de PES. Tobundi pona ko combattre Babiloko wana. Na régime na biso to lingi biloko wana te. Monsieur le ministre de la Justice, vraiment, t'as la biso to wana. Pardon, pardon. S'il vous plaît, Zélala. Je vous dis que vous arrivez. Pardon. Bakali, même ça m'a jeté à Tongi. Zélala, n'en fais son malo, vas-y. Vraiment. Ils ont dérangé. Ils ont dérangé. T'as pour nous pour nous combattre. Attendez, attendez. Attendez, s'il vous plaît. Donc, deux ou trois personnes, ma télévision a fait du bon solo là. Bazo solo. Bazo ton ancien de l'État. Bakali, pardon. Peba kei ba parana bango ba ye ba fouta 150 000 infractions. Habite na Luanine. Ça dérange. Je suis jeune de Tchangou, vraiment. Monsieur le ministre de la Justice, impliqué, s'impliquer dans ma Kamouyango. Merci. Ça, là, vraiment, situation est jeune. Ça, j'ai passé. Pour ce qui concerne l'IGF, je vais compléter ce que mon frère vient de dire, mon frère Janvi. Monsieur Alinguetti, pour moi, c'est une personne qui est très compétente, la place Yohana. Merci. Il est transparent et puis il est droit, Alinguetti. L'IGF a été créé en 1987. Et puis, il y a un décret-loi qui a été publié en 2003, si je ne me trompe pas, 2003. Qui donne droit à l'inspecteur de l'IGF de faire recrutement, de recruter d'autres inspecteurs pour Nabassa la Moussala Oyo, Itali, gestion et finance, Nab institution publique. Qu'on recruter ou soit qu'on informer, bah, qu'on former plutôt, bah, inspecteur,
ezali mbongo te o bakozwa na kati ya IGF. L'IGF abimisaka bazwaka na kati ya Jekamine. IGF abimisaka mbongo na ye moko pour former les gens. Et puis kozala former na kati ya IGF bazalaka former une fois mbala moko te sili. Non, ce n'est pas comme ça, c'est un travail. Ezane loko babenga na kati ya musala la mise à niveau. Soki bozwi formation na domaine moko et que après un certain temps ba monique il faut okotisa innovation ici na kati ya IGF. Par exemple, à l'époque informatique ezaki makasi boite. So ba lobito e former ba inspecteur oyo manière ni tokiko mener banquette sur le plan informatique, pourquoi pas former les mêmes personnes encore mais na domaine informatique. Donc pour dire que formation na kati ya IGF ba zo kate même bato bo former ba tiki bango bongo bo zo kali sous formation té. Non, ce n'est pas comme ça. Makambo tali invitation au cours d'un code à Bengisi. Mon frère vient de le dire très clair. La loi organique ya cours des comptes et PCPG ya cours des comptes autorisation té ya ko invité monsieur l'inspecteur général. L'inspecteur général Moutou o ya koki ko Bengisaye, c'est le premier président de la cour des comptes. A ko Bengisaye pour à s'enquérir la situation ya ba makambo ko ko ka peut être ba soupçon sur détournement. Après avoir ko s'enquérir la situation, si il fait que ezali na ba point moko un peu louche ndé a ko instruire na procureur général pour ba mener banquette na dossier wana. Mais le procureur général lui-même, il n'a pas qualité d'invité l'inspecteur général de l'IGF. Moi, je stimule que il y a des gens qui se cachent derrière pour bafouer la vision du chef de l'État. Il y a qu'à lutter contre la corruption. Le monsieur Alingeti, c'est la première personne au tomboli l'IGF depuis sa création. Banda Mobutu Tilelo. L'IGF n'a été jamais parlé dans Ndenge Toro Lobaboué. L'IGF n'a été jamais connu dans Ndenge Toro Solaboué. Et s'il y a une personne qui a relevé des fiwana, c'est M. Alingeti, c'est quelqu'un à féliciter, c'est quelqu'un à encourager. Moi, je lance un appel à tous les Congolais d'être derrière ce M. Alingeti. Je pense que derrière le procureur général, il y a peut-être des politiciens avérés Oyo, Bazali, Nassima, Yaba, détournement, Baza contre Alingeti. Présence Alingeti est comme il a dérangé Bango. Présence Alingeti est comme il a mal à l'aise dans la institution. Que le chef de l'État. Lui, il est le premier citoyen, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Vraiment, s'il y a quelque chose qui ne va pas et que le ministre de la Justice s'implique, vous-même, vous avez plein droit. Il y a aussi le bon sur Yango pour tout le monde a clairvoyance. Non, attends, qu'est-ce qui vous rassure que Gilles Alinguete est clean, Gilles Alinguete est sérieux, Gilles Alinguete n'est pas impliqué? Qu'est-ce qui vous rassure tout cela? Parce que c'est selon les informations qu'on a, les inspecteurs envoyés à la GKMI, ce sont eux qui auraient, bénéficié, perçu de l'argent de la GKMI en lieu et place que l'IGF puisse donner cet argent, ce qu'on considère comme, une corruption, parce que déjà le fait pour les inspecteurs de percevoir une somme venant de l'entreprise où ils vont faire le travail, est-ce que vous ne constatez pas que c'est justement une corruption morale? Je pense que M. Alinguete n'est pas saint, les inspecteurs aussi ne sont pas des personnes saintes. Là, c'est quelque chose vraiment à savoir. Et ce n'est pas Alinguete qui était allé là-bas pour prendre de l'argent. Moi, je suis un jeune qui ne soutient pas Babylon Rognon sur les Ingito soutenir. Non. Quand on t'a donné une mission, il y a Okende, que ça là-bas enquête pour n'avoir propos moko étali gestion et finance et institution mbongo et utakana IGF. Très bien. IGF a obanda kufuta chaque jour aux ans mbongo aux ans ordre de mission là yo frais de mission ezali au batindio kendo sala musala. Très bien. Batindio te okende ko percevoir mbongo et société au batindio. Mais s'il arrive que ba kabelio par de bonne foi muto rien que ça sala akabelio akabelio. Non, là ça dépend. Non, mais va dire corruption morale de obligé à boyete. Ça dépend. Je dirais ça dépend aussi de l'éducation. Très bien. Vous savez, si quelqu'un est habitué à mambo et taliba détournement, corruption, tout ça, et éducation à outil nango depuis ndaku et à coli. Et monsieur Alinguete, nous demandons. Mais ça va du sous basu éducation là au sein des institutions. Non, mututa zo au sein de l'institution. Institution bébé ça mututé. Non mais institution bébé ça. Mais tant zo mona s'il vous plaît, tant mona que tel a ibi muso so mona nga la ibi batena ayuma. A fait les mines. Dans le concours, on a point à l'IGF pour la relever la mambo détournement. Où t'as eu relevé le comment quoi, l'IGF
banda bandi ko dénoncer ba détournement voilà. Akangi mututé mututé azan non na lobi bonté na loba ki azo dénoncer détournement c'est vrai na ba enquête azo publier ba résultat mais pourquoi ça s'arrête pas. C'est-à-dire, moi, mon papa m'a détourné, mais on a par le fait que IGF a enquêté à d'autres détournements, à d'autres à la place publique. La chose que donc, nous devons... on a quand même mon pépé à détournement, il y a quelqu'un qui t'a. La chose par que nous devons savoir, IGF, enfin. C'est que nous devons savoir, l'IGF n'est pas un organe judiciaire. Ce n'est pas l'IGF de faire l'ouverture d'un procès contre une personne qui a fait un détournement. L'IGF, ce qui a eu, à Monique, soupçon et détournement, ils allaient qui aïe a remarqué que c'est vrai à cause d'un dossier où on a amené à la justice. C'est à la justice de faire son merci. Travail. Merci. C'est à la justice, nous avons la ouverture, il y a dossier, nous avons condamné Moutou au Bakangi. Mais c'est IGF qui a été battu dans la prison. Ce n'est pas le droit, c'est aligné dans le droit où on a été battu dans la carte à Makala. Ce qui a été battu, après ça, on a justice. Merci beaucoup. Ce qui a été battu, c'est que nous avons le même bateau détourné, nous avons le même bateau. Très bien, merci beaucoup. Allez, dossier IDP. Qui doit s'il vous plaît voilà qui m'y a va me pas dire ça mon émission ça la musala de konangai allez il pèse est-ce que Kabuya va-t-il continuer toujours à gérer le parti au pouvoir on en parle au cours de cette émission avec nos invités. Je vous laisse la question sur le deuxième sujet. Est-ce que Augustin Kabuya doit-il continuer toujours à gérer ses partis au pouvoir qui, du reste, devrait justement aider le président de la République à réussir surtout son deuxième mandat. Mais pendant ces temps, ils passent tout leur temps à se battre, à se chamailler entre eux. Est-ce qu'Augustin Kabuya va-t-il en tout cas démérer comme secrétaire général de ce parti? Question d'accompagner Félix Tshisekedi pendant presque, je dirais, presque les 4 ans qu'il reste. Mais pour finir ce premier sujet, je donne la parole à Rabi Epala. Qui était impatient, il pensait que j'ai sauté, que je lui ai oublié. Rabi est pas là. Même question sur Jules Alinguete, même temps d'antenne, 9 minutes pour répondre à cette question. Jules Alinguete, cette fois-ci, impliqué dans le détournement. Ok, merci beaucoup, cher Nathan, pour l'invitation, premièrement. Secundo, je tiens à saluer mes co-débatteurs, mes amis que j'aime beaucoup, mon ami Jean-Pierre Mukuna que j'aime beaucoup, en tout cas mes salutations à vous. Mais merci. Je ne saurais pas commencer cette émission sans que n'appelle sa mote na bao et opo na bangonga na dima ko pesa ba énergie na ngai, na dima ko kababo mo na ngai, bo lenge na ngai po na intérêt na bango, na pesi bongo mote na ngai na basi andumba ya paka juma o l'état moyen na botsana, na pesi mote na ba petit na ngai o bati a kasirage, bilenge o bazu ba diplôme, mais l'état pesi bango mo sala ya ko sala. Je suis en train de faire un peu de temps. Maman, je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un salaire. Ya malonga po ete bako lisaba na salaire réalité abimi kote kandu na balabala na pesi mbote ba ndeko na ngai ba wewa na pesi bango pe mbote ibino ba te boko souffrir na ma mota li tracasserie routière roulage pe ba agent de transport ba komisi bino lokola bilanga ko futsa kabino ba taxe o ezanga moto na makolo panda kenzela alité na pesi bino mbote mingi et puis na pesi mbote na soda wa ku na front oyo ali atan eloka malonga ya koli ate pendant ke awa mbongo ya mboka eko ibama na pesi bino mbote mingi. Pona ko kita na sujet ndeko. Tango to ko beta masolo ya IGF, masolo ya détournement. Toko se kamé ko sala pasi. Na moni bande ko nanga wa basokoli. Na tongo moni bilenge basokoli ne bela mali elanga oyo. Ba bakoli mafuta batie malasi. Balati ba kazaka na basimisi po baya ko défendre le kuta ko pesa pasi. Lorsque je commence ici avec les premiers intervenants, mon ami Jean-Pierre Mukuna, il était surier quand il disait que non, voilà, ils ont un mot normal. Gilles Alinguete était à sa oignon, soit à l'Iwana, ceux qui sont inspectés par la Moussala, frais d'émission, wana, et que vous avez un Jekamine, c'est faux. Yo, ça, la Moussala, établissement, yo, na compagnie, ya yo, compagnie, na yo, responsable de la compagnie, na tini, yo, la Moussala, et pas Nangaï. Non, vous vous offrez des missions, t'es? C'est pas moi qui ai prévu ta mission. Na programme annuel, il y a chaque institution, ma mission elle a prévu. Alors tant que ça là, le budget annuel, il y a institution, tout établissement, même pas frais pour la mission, il y a calculé. C'est pas un des autres. Bah yebike, na 2024, tout ça là, autant de voyages sur de descentes sur terrain. Alors les budgets prévus pour la descente sur terrain, on a ils a autant.
C'est ça qui s'est fait. Koluga Koya wa Koloba été non, j'ai Camille les en droit à couper sa misolo frère de mission à inspecteur et ali koko sa peuple et ali komiti na kati ya libulu. Avançons. Alors moi je pense que par rapport à l'invitation wana, bien qu'on peut dire que la procédure a été tarabiscotée, mais en vrai, puisque j'étais les premiers à dénoncer ici, j'avais dit que si on était dans une république sérieuse, M. Gilles Lalinguette devrait soit démissionner, soit être entendu par les instances judiciaires. Pourquoi? Jules Lalinguette, dès par cette loi qui institue son existence, bah, peste Jules Lalinguette, ma coquine, sorti à Kokangami, bien mis sur le Yamboka. L'IGF pour la bangou mbalé ce qui va éviter, n'a pas sûr que va éviter, mais le col a baillé pour défendre mensonge, va couper ma vérité. N'a pas eu sa peuple en la vérité. L'IGF a trois types qui a contrôlé au Yasalaka. A quoi ça la contrôle a priori, a quoi ça la contrôle concomitant, et puis a quoi ça la contrôle a posteriori. Ce qu'on a pu expliquer, on a un langage clair pour être maman, nous n'avons comprendre, n'a pas eu ça la IGF. Pour comprendre pourquoi on a baillé que l'IGF a l'ingé, t'as libre à Kokanga. Donc IGF a ça la makoki, y'a Kokanga Moïbi. Il y a un mot qui est ce qu'on appelle contrôle a priori, pendant que Musolo est pesami, contrôle concomitant, et puis après que Musolo est pesama, contrôle a posteriori. Cela veut dire, dans trois moments où on a eu surtout, ce qui est M. Alingete a réussi à faire a réussi à diminuer tout et à détournement, c'est un gars qui a été. Mais la mission est arrivée à faire sa motote, soit il est complice. Il doit être arrêté, soit ma service n'aille aller défendre, il doit démissionner. C'est simple. Parce qu'on ne peut pas concevoir ici moto, parce que la possibilité n'y a surtout un an. On te donne toutes les possibilités d'action pour qu'on ait moto. Et ça, le coup là, il y a agent de sécurité, il y a un agent de sécurité. Ce qui m'a dit à côté, il y a alors qu'il y a un agent de sécurité qui est le responsable. Nous avons le service de sécurité dans les défaillants. Nous avons mon téléphone pour démissionner. Alors, quand Luka Koya ko blanchir à l'ingéte awa, en tout cas, et ali maël et mabé ali koko sa peuple. Moi, je pense que la démarche elle est tellement normale. Et ce qui le col a procureur a yoka qui m'a ramboté l'obaki et y a babé insana noji la l'ingéte. Pour n'avoir pas encore l'obaki non, le procureur n'a pas qualité. Yako Yabengisa Gila l'ingéte. D'abord, on doit rappeler ici ce que c'est le rôle d'un procureur général. Très bien. Le procureur général, c'est avant tout un magistrat. Le ministère public. C'est quoi son rôle? Il a le rôle de rechercher les infractions et d'interpeller leurs auteurs. C'est ça la mission principale. Donc, le ministère public. Donc, le procureur a connu combien qui s'appelle Zoula Lingueti. D'abord, c'est en tant que procureur, en tant que ministère public. Très bien. C'est son rôle traditionnel. Les rôles pour lesquels il est payé par l'État, c'est de chercher les infractions et puis les interpeller. D'abord ça. Alors, dès qu'on se retrouve ministère public, dès qu'on se retrouve d'abord ministère public, c'est son rôle principal. Très bien. D'abord ça. Mais alors, une fois qu'il constate, une fois qu'il constate que non, voilà, dans tel secteur, il y a des manœuvres dilatoires, des personnes citées doivent d'abord venir. D'abord, vous venez. Et la personne citée, Jules Lalinguette. Mais il n'est pas au-dessus de la loi. D'abord, Jules Lalinguette. Très bien, il faut le prendre. Il faut le prendre. Ce qui va sentir que l'allégation est apportée par moyen à APC, dans la phase d'instruction, et à l'île normale, ok, on va prononcer mes levées. Mais ce qui va sentir que non, nous, Ali. Voilà. Il faut qu'on soit. Il faut qu'on soit procureur, la transmission à dossier. Il faut qu'on soit dossier. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Donc, moi, je le répète encore ici que M. Gilles Lalinguette, aujourd'hui, dans tous les décors, dans tous les décapitaux, qu'il soit défaillant ou qu'il soit complice, la place de M. Gilles Lalinguette n'est plus à la tête de cette institution. Oh. Parce qu'il nous a montré. Donc vous êtes parmi les tireurs de ficelles. Non, je ne suis pas parmi les tireurs de ficelles. Moi je présente la réalité. N'apercio a ou a toutes les possibilités légales au bah PCJ la lingue te poète à kanga moibi. Très bien. Alors à démontrer biso. A coquitté malgré la possibilité à coquitté ko si lisa maquée la détournement. Alors soit bah service naie ali soit intelligence naie ali défaillante, faut démissionner.
soit Ali complice, il faut battre l'un de la dossier. Toi, tu as épuisé nos maboko, à qui ne copie, ma bâtie a battu Moussou na tête à Ijef. Bye, bako ça, Moussa, n'engue le mobile. Merci beaucoup. Allez, Gilles Aligné, t'es pas à Moussa en tout et si il faudrait que qu'on enquête, il faut qu'on enquête. Peine à Moussa là où il y a Osala. Et dans Moussa là Osala, mais qu'on enquête. Peine à Moussa là Osala. S'il est complice, monsieur, il faut le prendre, il faut le mettre là-bas. Ce n'est pas seulement qu'on a tel à vous détourner. Oui, il a détourné, mais comment détournement ne finit pas pendant que l'IGF est en train de faire le travail. Deuxième sujet, Augustin Kabouya, est-ce qu'il doit continuer comme secrétaire général de l'UDPS ou il doit, le plus vite que possible, être remplacé par une autre personne? Jean-Ville Moukouna, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Nathan, pour le droit du verbe. Merci encore une fois. Oui, oui, que aujourd'hui, là, je n'ai pas compris ces deux messieurs ici, sur Balala et Wapi. Parce que Rabi, n'a pas eu les nions, parce que moi, je suis fier. Il y a qu'au présenter partout autre Zalarana, c'est un ami, il est pétri de connaissances, c'est un gars très intelligent. Mais aujourd'hui, il y a un Kotoka. Malali Boson a coquetté. Alors le babiloko, azo sangi ça y est, moko azo ko se contredire. Avant on a Simba et Nasima non Kimbuta, parce que Koti gamwe le gabo. Kimbuta, je t'ai dit une et une fois na banzi que oye za l'émission à Sukanga na yona sala na yo, Obenga Martin Fayulu président. S'il vous plaît, ceux qui to sali non sous émission, je prends mon ami ici journaliste à témoin. Ceux qui ata awa te to sali non sous émission, Obenga sous Martin qui Martin Fayulu président, légitimement élu, biloko nyo solo bakawana. Je vais prendre mes histoires, je vais claquer la porte. Non, non, je vais te laisser. Non, non, c'est ça. Ce n'est pas normal. Il faut accepter. Non, non, écoutez. Non. La beauté aussi de la démocratie, c'est ça. Ah, dans la démocratie, on doit dire à un monsieur, il y a une élection, il y a un aligné par député. A 5%, il y a un président qui est président. Il y a une démocratie, toi, Nimayango. Non, non, ben c'est que tout. Na lobi na ombala souka parce que na peke si e bambale belé akoyoka té ozambala souka. Ce to sali sous émission na zubi sakana ngai na bimi na tikelio parce que okoyoka té. Oh. Et lokwa liboso ndeko na nga uti ko lobango. Akoloba babiloko moko souka lo kote ngona nzela. Oh, je camine il se fa recrutaka et puis atinda ka batuna formation, mais ça c'est nous sommes où monsieur? Et on moko ba étude na yo na kota kango na doute. Non, non, s'il vous plaît, allez, il faut pas remettre comment. Non, parce que s'il vous plaît. Ayebi na boso ninga ndeko na. Non, non, s'il vous plaît. 12 ans. C'est quand on a le 20 minutes na ngai. 12 ans à mutu na bar de l'école, na 5 ans à l'université la PTT ndeko na ngai. Kwana ko ya te, ko sima te. Te na lobi bomo, na na malobo. Na zui yango parce que. De parce que aza camarade na ngai. Mais on moko na sur le plateau qui camarade na te. Mais si on ngai mo siko na koloba ke ba étude na yo na kota kango doute. Non, 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 non. Étude de l'été. S'il vous plaît. Étude de l'été n'a pas permettre. Bon, ça va, on a retiré. Parce que étude de l'été. N'a respect à yo, des journalistes. N'a retiré. Très bien. Mais n'a pas le suspens à quoi il s'est beau. Aïe, bah que. Mon salaire est à IGF. Bah, inspecteur à IGF. Bah, ça la caloko la batouillon sauté. Bah, ça motouillon sauté. N'est pas commissaire inspecteur. C'est-à-dire, Sengeli, Azala, espère, n'a pas été le macambo et le misolo. Na oyo to bengaka oyeba ke na IGF a chaque fois il y a des lois de finances o échangeaka. Ezali na ba loi pe ya o eteli comptabilité o échangeaka. Voilà pourquoi esengeli ba inspecteur bazala outieux. Ba e ba 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 s'il vous plaît ba ka formation. Ba ka loi ya o ada so ki ba modifier yango s'il vous plaît. Biloko nyonso wana. C'est-à-dire, et ça l'a quand on a dit que les mis à nouveau, et c'est les alas. On lui va renforcer ma capacité. Non, ça l'a écouté. Il y a formation. Mais ce qui est. Oui, mais on a dit que le bango awa. On a dit que le bango awa que. Et ça l'a prévu pour la formation. Attends, pas na bino awa. Je pense que le DG Louis France a monté à bino chaque jour. Voilà pourquoi vous allez faire ma haine. Et tant qu'on y est, vous allez voir la journaliste en zélan zélaté. Ma haine na yo, tirana loba. Ma haine na yo, ebani. S'il vous plaît. Parce que Ndeko, DG Yassen Oyo, Louis France lui-même, parce qu'il est intelligent. Et chaque fois, ça l'a que. Bah, Matissaka Bino n'a pas capacité. Il y a un peu de temps à IGF. Et ça, le maraque, bah, inspecteur, c'est qu'il y a un peu de temps à formation. Très bien. Mais quoi, il y a un Congolais qui non, et ça, c'est un peu de temps. Est-ce qu'il y a un problème? Ceux qui ont trois formations différentes,
Est-ce qu'ils font des coquimoutes avec les abattoirs ou qu'ils ont tout le monde comme moi? Allez, il le pèse. Non, 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 s'il vous plaît. Non, j'ai bien, ils ont une minute, ils ont une minute, ils ont une minute. C'est 5 minutes chacun. Non, si ils ont déjà une minute, ils ont une minute. Non, si ils ont une minute. Je ne suis pas naïf, je ne suis pas de l'Union Sacrée. Je le répète ici. Ce qu'on a vu, principe, il y a loi portant organisation, il y a parti politique, il y a un beau cannabis, il y a un signé charte T. Je suis l'écolo, j'assume, mais nous ne sommes pas de l'Union Sacrée parce que jusque-là, on n'a pas signé charte, il y a l'Union Sacrée. Il ne faut pas m'appeler l'Union Sacrée à tout moment, j'ai envie de jouer l'Union Sacrée. Je ne suis pas de l'Union Sacrée. Mais vous soutenez les chefs de l'État qui, du reste, je soutiens l'autorité de l'Union Sacrée. Je soutiens l'autorité en tant qu'institution. Mm. Ok, s'il vous plaît, là, ils ont débat, Moussous. Ah, on est qu'on a un rabbi à l'obby. Il y a mon concours, c'est contre lui. Terminé en 30 secondes. Alobi, que non, et IGF, n'est-ce pas, wana, bah, pèse, ma coquille, n'y a pas, quand. Alobi, bah, contrôle, n'y a pas, a priori, n'y a pas, alobi, wana. Mais c'est tout le bien, oui, à solo. Au colobay, à solo. Mais bah, pèse, n'y a pas, wana, ma coquille, à coquanga, t'es. Au sali droit, espère d'ailleurs, n'y a pas, wana. A coquille, coquanga, t'es. N'a pas, tu colobay, kangwa, wana, en tam, n'y a pas, bien, ou bien, que, azaline, n'a prérogative, mon salon est jusque là, zali, OPJ. Très bien. Il y a merci. Le principe, il y a séparation du pouvoir. Oh, et puis si justice, ça la mosala naye. Terminé là. IDPS et Koyoki Sayo Soni. Sala est fort le cola de ko Jacquemin Chabani, Akimaka, Nanzela, il y a fenêtre, Bako Salope Bongo. Kobo Sanate Kabund, Batoa IDPS Basala est bon. Soko Moni Makambo et Komi Boende Konangaï, Simba Bisaka, démissionné Nayo, Tika. Parce que on l'a kissé dans mon kilimo bimbake à coquine a été. Parce que. Attendez, s'il vous plaît, je vais revenir à vous. Allez, monsieur le réalisateur, s'il vous plaît, il ne faut pas être listé pendant que nous sommes en train de tourner l'émission. Allez, nous étions en train de parler du dossier Augustin Kabouya. Est-ce que. Jeanville, vous pensez que Augustin Kabouya est né fois Tika, là, secrétaire général, il y a eu deux personnes. Surtout que c'est les derniers, je dirais, le dernier mandat du président de la République qui doit, en tout cas, qu'il doit réussir d'office. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait éviter des querelles au sein du parti présidentiel, question de pouvoir accompagner le président de la République à réussir son mandat? Merci beaucoup. Au moment où le monsieur Kabouya n'a plus la confiance, il y a bah secrétaire national. Oyoye akokambanta qui est secrétaire général. Nako senganaye, le ko la confiance et ali lisusu te atika ebonga ena ya secrétaire général. Aza lisusu na confiance, il y a bah père naye te surtout ko lo babongo. Na boye nako singa na Augustin Kabouya. Le colosal les sous na confiance te tika normalement dès qu'on attend bisoto ko kozala wa tete beta lisolo ayi de pense parce que ngai ne na boy na ebité statut na bango elobi nini règlement intérêt na bango elobi nini mais parce que il dit de pense il jure bato ba koze ba ko jure na ba institution na ba différentes institutions mboka na biso les il de pense azalina ba ba tuna e kuna directement Eko simba mboka parce que awa toko bela lisolo mboka na boye toko ki kozala na un point de vue ya ko emettre na kati ya parti ena oko kanisa wa kende ko Jacquemin Chabani o azali lelo ministre intérieur azalaka na ebonga na tant que secrétaire général tangu base ndenge telemi lokola lelo parce que kuna bango bayoka ka base oko kanisa ke ti secrétaire azalaka na Genève tangu andimaka ndeko andimaka ndeko Fayulu tangu base réclamer awa Tshisekedi ayokaka. Lelo le sous base wana. Jacquemin akimaka na fenêtre à l'époque. Lelo le sous kaka base wana nde côté le melayé. Nan ko singa o kisten ka buya. Soko lingi le sous otika la tana ndambu ya Lipongo. Lipongo, c'est Lipongo ou bien Lipongo? Moi bozito wana ya bomoto. Tika na yo ebonga wana. Parce que ezali ya ko kamwa ke ndeko yo
secrétaire général. Pourquoi? Merci. Et mais là, bas poste le coca qui cozoa, le coup la ministre, pour la nini Auguste, la nini Kovana Kakuna. Le coup là-bas des envois, les sous-sous, Tika et Bonga Ena. Très bien, merci. Allez, Raphaël Kimbuta, Auguste Nkabuya, Mouton Alali Saka. Fayou Lupongité, va reprocher le fait qu'à tout moment, ma sortie médiatique là, il va rater. Mais est-ce que ma sortie médiatique là, il va rater simplement parce que ça t'attaquera plus dans Martin Fayoulou. Mais est-ce qu'on connaît ici que guéguerre au sein de l'UDP et qu'ils ont en sorte que Félix Tshisekedi a réussi au mandat là, parce que bah, on est, il fallait bah, l'exemplaire, bah, là, qui sa bongo, bah, ça parti au pouvoir. C'est vrai, il va partir au pouvoir, bah, et, mais, bango de bazan bazan pour parti présidentiel mais parti au pouvoir ils ont ébélé bah oh basanga ina bango pour bas ça la majorité bah on veut pas parti au pouvoir mais hier il ne pèse à Zali oh il faut un modèle mais tant au Kumuna Mutulokola nani était ni Longondo qui était ministre de la santé oh à quoi mon solo à l'État qui m'a porté à Kenda à l'objet que Babimi ça y est après aye ko sala makele la wana na Kinshasa koloba ke ba combattant baza ki pe bango te pourtant quand lui il était ministre à Kipa ta combattant te comment na ye ko luka ko se met trouble au sein de l'UDP au Kanisi Zali et logo mo a malam de konata une fois de plus merci oye bi kenga ina respecta ka maye na yo Zali moto ya bonya mais avant na kota na na mutuna na yo s'il vous plaît, en une minute, vous allez toilettage, une minute, on répond à la question, s'il vous plaît. Des incohérences. Prochainement, je vais vous faire un toilettage pour constater que vous avez plus temps à toilettage que sujet. Non, s'il vous plaît, répondez à la question. C'est une minute seulement. Parce que vous avez atteint la première ronde, il y a une joie qui 6 minutes. Donc, la 5 ici en gros, il y a combien de 9 minutes. Donc, c'est ça en fait. Il y a parti na ba sous-traitance na bango yuti ko bota ma mikolo il y a pas même 3 mois il y a souki école et va parti politique na sa génération na sa membre ya génération na binoté na sa membre pe ya parti na binoté na ti bisagaye souki to yé plateau à télévision tikaka TikTok apparemment makambo no songa na lobia ya zakine na plateau à wati non na pesa ye explication ya souka et puis simba explication oyo souki ngai na bengi Martin Fayoulou le président légitimement élu. Pourquoi n'a bien raillé le président le stima et ça l'a mal à souka. J'espère que comment pas moi ça l'a les sous. Donc faut ça la différence entre la légitimité et l'égalité. Qu'on participe à l'élection et qu'on crédibilise l'élection parce que c'est un droit donné à tout le Congolais. Messieurs, si tu as le bateau, ça n'a plus le mérite. Attendez, s'il vous plaît, Kimbuta, vous salis toi l'étage en une minute pour répondre à la question. Exactement. Les élections et si la crédibilité par rapport au déroulement, il y a un moment de l'élection. Il y a un scientifique. Vous appelez politologue, là tu peux vestir, il y a bien, il y a un plateau à télévision. Oh, tu sais, il y a un bon cas, il y a une élection. Écoutez, je suis en face de moi de quelqu'un. Non, s'il vous plaît, j'en vis, vous n'avez pas la parole. Aux États-Unis, à ce moment-là, déjà, l'élection, ça m'a pendant une semaine, chaque jour, élection, il y a un salam. Et puis chaque jour, élection, ça m'a. S'il vous plaît, tolérance. J'ai bien précisé que nous participer aux élections. Cela ne remet pas le processus en cause. Mais le déroulement, il y a élection, il ne remettra. Très bien, élection, ça l'a fait toujours. C'est là où je renforce pour te dire que Martin Fayoulou continue toujours à détenir la légitimité du peuple. Très bien. Pas parce que. Merci. On a compris, allez-y. Mais qu'on attend ce qui sujet, je suis vraiment très sérieux. Ceux qui sujet ça là il y a nos sujets il y a beaucoup de gens dans lesquels il y a plateau. Mais franchement laisse-moi te dire. Pour l'année. Dans lesquels qui coya plateau na yote mais pas. Quoi traumatiser ça Fayoulou. Non. D'abord traumatiser Fayoulou c'est trop dire. Tu peux retirer ça parce que. Oh. Kabou il y a même la cheville à Martin à comité. Ah Rosé quand vous partez ça va retirer. Mais oui. Tu ne peux pas ça massacrer. Très bien. Mais non tu n'as comme le niveau on a donc tu ne peux pas massacrer. Pourquoi on a lobby bongo. J'espère que parmi les communicateurs, nous sommes les grands arrêts à Kinshasa. Je suis la première personne de communicateur à dénoncer l'incompétence
L'insuffisance intellectuelle, il y a M. Kabouya. Allez, s'il vous plaît, il y a des gens qui ont été retirés. Là, s'il vous plaît. Je ne suis pas obligé de retirer Kabouya. Ceux qui ont été retirés, ils ont été retirés sans été. Non, attendez, s'il vous plaît. Ça, c'est que ça, c'est pas quand même sous le c'est pas quand même un bois. S'il vous plaît, c'est un plateau de télévision, c'est une chaîne de télévision, c'est une. Tout à fait. C'est là, nous. C'est une télévision, oh, et ça, justement, là-bas, règle, là-bas, norme qu'il faut respecter. Et puis, toi, là, c'est ça qu'on est appelé, là-bas, oh, et ça, là-bas, norme, oh, il faut te respecter. Oh, bah, l'année de la cabisson, justement. C'est pas parce que Augustin Kabou a zolo, bah, qu'on est sous le bois. Il faut un peu que le babylon, comme moi, bon, la télévision, c'est pas responsable. Oui, mais, bon, ok, ça reste à prouver. N'as-tu prouvé pourquoi on a le bon? Pourquoi on a lobby que non? L'insuffisance intellectuelle, l'incompétence à Kabouya. C'est pas moi. Ndekonangas en face, on a outi que le bayango. Kabouya a détruit partie na bango. C'est pour dire que non. Montou a détruit Zaraka Kayeloko. Il est toujours incompétent et puis il manque l'intelligence. Très bien. Donc, merci. Mais comment tu peux encore. Non, mais laissez-moi parler. Kabouya, naïebi, ça y est. En politique, moi, on m'a appris, on quitte les choses avant que les choses te quittent. Très bien. Mais comme, ayebi bien que non, son insuffisance intellectuelle, allez, l'incompétence. S'il vous plaît. Mais Kabouya sera le goût, il dépasse. A Otikala, à la même. À ta même fédérale, il y a parti Morote Nambokaoué à Kinshasa. Merci beaucoup, Raphaël. Parce qu'il est incompétent. Et puis, incompétence, Ngaï Moutouna a approuvé en gros, ce sont ces militants de Batouazo qui ont approuvé en gros. Très bien. Parce que depuis qu'il est là, est-ce que tu imagines qu'un parti, entre guillemets, au pouvoir, Bazang a ta carte de membres, oh, Bisso est cédé, tout ça, on a quoi l'Aksa. L'Aksa. Un parti organisé qui manque même carte, il y a un militant ou bien un cadre. Donc, ça prouve que non, la personne qui dirige le parti, il est incompétent. C'est, très bien. C'est là où merci je dis. Beaucoup. Je vais répondre à la question pour dire que est-ce que guerre ou bien tiraillement aux autres salamana, il dépasse. Ils ont aidé Tshilombo pour nous réussir le pouvoir. Non, mais d'abord, Tshilombo, le vrai problème, c'est lui-même. Pour réussir d'abord son quinquennat, le problème d'abord, c'est lui-même Tshilombo. Maintenant, à court terme, il y a un problème. Et le problème, il y a un balai. Parce que, faut merci, qu'on se le dise, s'il vous plaît. Il n'est plus. Il y a un cadre. Le président, il est le président de la République. Entre guillemets, il y a un passé à ce qu'il y a une élection comme candidat indépendant. Donc, pour dire que. Élection. Merci. Ah, comme il y a un problème, mon coup, indépendant, et ça permanent plutôt, je peux dire, dans le cas où il y a mais Kabouya, il y a bien, il y a plusieurs pistes de solutions. Ceux qui ont mis les lots, les militaires, les décors, pour combattre Kabouya, c'est pas. Et ça, Jéko Béaté. Jean-Ville peut militer. Et ça, c'est Jean-Ville, et ça, c'est Jéko Béaté. Kabouya, afin de nous quitter, il y a injecté déjà, il y a CT. Mais toi, il y a les mêmes motos, il y a d'abord. Il y a un peu de Félix, tu sais qu'il dit, ainsi que maman. Denise Nyakeru. Non, allez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, il faudrait pas. S'il vous plaît, il faut pas citer. Non, l'a dit Odiote. On l'a dit Odiote et Rabouyate. Non, s'il vous plaît. Non, Natunio l'a dit Odiote et Rabouyate. Kabouya cite maman Denise. Non, mais ma bureau quoi, bah là-bas, là. Après, j'emmène ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, j'ai un bureau quoi, bah là-bas, la théorie, qu'on brandit en moi, on a aussi la télévision. Retirez maman Denise, retirez. Retirez bon, ou toi. Je retire la maman de Nice, mais il est injecté par Félix. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Béris. Kabouya part. Allez, s'il vous plaît. Donc, merci. C'est ça le vrai problème. Tu n'as plus la part. Très bien. Allez, Moïse, rapidement. Merci beaucoup, cher Nathan. Minutes, merci. Dossier Kabouya. 4 minutes également pour Abi et Pala. On termine. Je loue votre professionnalisme. Merci. Et je sais que vous êtes une église au milieu du village. Le Longo Pessi Bango, une minute à toilettage, sûrement au Pimelanga en hôtel. Donc, il doit avancer. Naza très déçu, Nandeko Jeanville. Vraiment, je suis très déçu. Il faut tout nanga pour Nanini. Je suis très déçu parce que quand tu m'as présenté nos frères, nos co-débatteurs, le Lenge O présenté Bango et pas Nangaï. Et ça, on a la monité. Le Lenge O, au loué, au lobby maître Rabi, licencié en droit à l'unikine, au bandit Kokoumissa. Na O, il y a lobby concernant le procureur général.
vraiment à regretter. Pourquoi qu'on vous présente un Batou Bongo? Le procureur général a lobby Azali a deux missions. Premièrement, Azali y a qu'au la recherche y a infraction et deuxièmement qu'on invite Batou Bongo à commettre infraction wana pour attendre Bongo. Mais le procureur général n'a aussi d'ailleurs pas visiter un peu organigramme et appareil judiciaire y a Congo. Le procureur général à Cour des comptes n'a pas habilité d'inviter tout le monde. Non, loi organique y a Cour des comptes Azali et PCN Dingisa Wanate y a Kobengisa Oyo Azali inspecteur général y a IGF. Apesien dingisa wana te kende rotanga lo organique wana na lo organique balobi mutu oya koki ko bengisa soki procureur général a remarqué qu'infraction ezali il faut appeler sa rapport et pas ya président premier président en cour des comptes yende mutu ko bengisa Jules Alingeti po asolola naye ayeba situation ezali ndengeni soki louche ezali a ko instruire na procureur général pour basala ouverture ya banquette ya dossier wana vraiment na ko senga na yo o tanga pe baloi mingi avant les canaux plateau. Il faut qu'on ait balayé au sol la analyse ou nous défendre quelque chose aux juristes. Non, c'est un canal pénal auquel nous consulter tous les documents juridiques avant où il y a Kolobama Mbotali, le procureur, tout ça. Très bien. Augustin Kamouya, on termine. Na su qui sait pas ya ndeko kimbuta. Abimi si pe carte na. Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi en 2006. Je suis un naza cadre monnaie na cadre. Aboyi ko kende na élection. S'il vous plaît. Etienne Tshisekedi en 2006 aboyi ko kende na élection. Ba communauté internationale nyonso bango tout ba tout autorité tout ba ki ko luke na ndako. Je t'ai dit des choses on a aucune maturité. Moi je suis combattant de l'UDPS na bandi na 10e rue wana na kena simak tu sais que dit le fils Félix Ndemtatinzi biso na RDT lorsque ba créer RDT. Donc j'ai commencé là à l'UDPS, je connais l'histoire. Bayo ko luka tu sais que dit a kende na élection en 2006. Pour quelle raison pour na élection ezala na crédit? Lorsque le président Nabino a eu une élection en 2018, parce que Andima qui ba oyo bazala qui organisait l'élection à l'oba qui ba o baza sincère. Ce qui Denis Kadima en 2018 c'était. C'était Corneille Nanga. Comme président du CNI. Voilà. En 2018, Alaki trop sûr na Corneille Nanga. Loba qui est Corneille Nanga. Koyan électuel ni koloba ete, nandi mi organe yon souezali ao. Oyo bango bako publié, nde yangwana o ezali solo. Nde yaki n'élection. Oye na 2023, a yen élection parce que andi maki. Transparence y a de Denis Kadima. Alors bah oh non sur Denis Kadima qu'on publie et Zali est cause à la vraie. Les lo oh aux ans à droite à quoi il y a élection on les a discrédités aux ans à droite à Koloba. Nous sommes lobité Martin Fayulu le président. Très bien. Terminé. Martin Fayulu n'a jamais été élu dans le cannabis au Congo. Parlons de l'UDPS. Donc rappeler la bisotoé bah était l'UDPS n'est pas un parti politique simplement comme tout autre parti politique. L'UDPS, au-delà d'être un parti politique, l'UDPS est un patrimoine national. Pourquoi je le dis? L'UDPS est le cas de la partie. Le nom qui est SIDA, c'est un problème. Vous ne pouvez pas m'inviter. Vous ne pouvez pas m'inviter dans le Bela Makambo et SIDA parce que le SIDA, c'est un parti politique. Mais lorsque l'UDPS est un problème, l'UDPS est au-delà d'un parti politique. L'UDPS est un patrimoine de la République, un patrimoine national. Quand il y a un problème au sein de l'UDPS, même l'opposition, bah, le Bela Yango, je suis très très content de ça. Nassur, les camarades Rabia aux parole, Kimbout à l'Obeli UDPS, mon ami Janvier à l'Obeli UDPS, tout le monde parle de l'UDPS actuellement parce que la crise au sein de l'UDPS dérange même les institutions de la République. L'UDPS est un patrimoine. Tolérance, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Si je savais que Monsieur Kabuya. Monsieur Kabuya, vraiment, na histoire y a basé génie sur l'UDPS, c'est un incompétent dans mon anamité. Premièrement, je rappelle à Monsieur Kabuya, tu n'as pas été nommé par le chef de l'État. Bon, tu vois quoi ça batouke, au fini Kabuya, aux autres combattants, confiant chef de l'État, pèse à qui est. Kabuya a été nommé le 29 janvier 2022 par une décision de la CDP. Convention démocratique du parti. Bah, élevé au rang un secrétaire général. Président Yebaki Yangote. Kabuya Yemoko a eu signé lettre Moko avant-hier à l'Obi, Azali, président Aïe de l'UDPS, a violé encore bah, test Aïe de PES. A l'Obi, Pona qui est président Aïe de PES, comme CG aussi, na congrès au Basali Saki. Congrès.
na statut a eu de pèse, CG a eu de pèse à Zalaka, il lutte banomakaye par le président national y a parti. Na congrès wana, na na Zalaki candidat président y a parti politique, il y a eu de pèse. Oh yo zolo bakeba élu yo comme comme président aïe, pour ba sala boke na violation ba loi y a eu de pèse. Monsieur Kabuya est désavoué à 90% par le membre de l'UDPS, désavoué à 100% par le membre de l'Union Sacrée. Je suis de l'Union Sacrée. Le lot mon a fidé sa zote les mabazo combattre Kabuya, Kabuya Zalaki informateur bisot aujourd'hui ba poste na lenge ouest. Singalité o ya lobby et Zalaki bongoté. Kabuya Azali Moutou, ou Azali ko combattre vision chef de l'État. Monsieur le président de la République, monsieur le président de la République, je suis en train de vous informer. La personne qui se bat au four et au moulet pour mettre fin à l'avenir politique et à l'Union Sacrée, ça s'appelle Augustin Kabuya. Augustin Kabuya, oui, Augustin Kabuya nous a reçu récemment. Augustin Kabuya nous a reçu, reçu récemment. Ah ouais, bah, président, bah, parti politique, oh, tu atteindras qui soit-il. Tout ça, les structures, na katia Union Sacrée, oh, bah, li, ko benga MEP. Majorité extra-parlementaire. Moi, j'étais candidat à Massina. J'ai été élu à plus de 8000 voix. Na 8000 voix, on a publié Bissoté, RDT atteindre CIT. Bon, voilà, on accepte d'atteindre CIT. Merci. Mais, excusez-moi, parmi les gens qui m'ont voté, les 8000 voix là, il y a quand même 5000 voix qui ont voté le chef de l'État. Donc, on a soutenu le chef de l'État. Ce qui est un peu le présidium de l'Union Sacrée, Bissot va auto soutenir le chef de l'État, Tozali, la majorité, la quantité à l'Assemblée nationale, Toza, la députée. Maintenant, sort Nabissot Rosanini, Tozo Lagnon sur un autour du table pour nous garantir à venir l'Union Sacrée. C'est le seul membre du présidium où il a mettre en cause le diplôme et le professeur à l'université, c'était Augustin Kabuya. Alors, Augustin Kabuya mérite d'être à la porte. C'est un monsieur incompétent, un monsieur qui vole le poste au sein de l'UDPS. C'est un monsieur qui nomme ses frères et ses. Et frère, comme a publié M. Gilles Monnier. Très bien, merci beaucoup. Allez, on termine avec Rabi Epala. Ok, merci beaucoup, cher Nathan. Vous savez, ce plateau, cette émission, hormis son aspect politique, compte tenu de ce qui s'est dit ici, en termes de contenu et débat, ça a également un caractère pédagogique. La logique du débat voudrait assez que. Si vous avez un toilettage, et bien là, le toilettage pour moi, si vous avez un toilettage dans la TV. Donc, les politiciens, les TikTok, les WhatsApp. Tant que vous avez un toilettage, tant que vous présentez les faux au Moutalobi, il faut représenter les vrais. Au lieu de dire que vous avez une notion sur ce qui concerne les procureurs généraux. Mais dans le lobby, le rôle est principal en tant que ministère public d'abord. Le rôle est principal parce que. S'il vous plaît, allez, Rabi, on avance, s'il vous plaît. On termine, il vous reste 4 minutes. Ce que vous vendez là, c'est que vous avez le rôle principal du ministère public d'abord, c'est de rechercher les infractions et interpeller les auteurs. Les deux rôles. En dehors de ça, il y a d'autres rôles qui s'ajoutent, qu'on appelle des rôles connexes. Par exemple, le rôle il y a que surveiller l'exécution de peine, le rôle est belé. Et ça, les marabouts, c'est ce que j'avais dit au départ. C'est qu'il faut comprendre. Qu'il y a que l'oukate ou ça, la sensation, la plateau, pour batoya WhatsApp, batoya TikTok, batoya Kao, Salaki, en tout cas, Ali Maël et Babé. Alors. L'autre co-débatteur ici a parlé des OPJ. Que non, Kabuya et Nani. Alingete, Alina Makukia Okangamotote, c'est un OPJ. En réalité, OPJ, il y a IGF. Inspecteur IGF Ali, OPJ. Mais ce n'est pas un OPJ aux mêmes qualités, la même compétence que l'OPJ au Azanamina Soussiat. Ce que vous devez comprendre. Bah, oh, bah, OPJ, au Bazan, na Katia, institution locale, bah, IGF. Bah, douane, on les appelle des OPJ à compétences limitées. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que dans la logique, l'OPJ, c'est les miniatures du ministère public. Il a les mêmes rôles, la même mission que le ministère public, mais dans son entité. Cela veut dire quoi? On a vu que le ministère public était tellement grand, il ne pouvait pas descendre dans les fins fonds. Alors, pour ne pas qu'il y ait des violations des lois à niveau SC, voilà pourquoi on a institué les OPJ. On va prêter un serment devant le ministère public du ressort. Ce qui est pour le compte du ministère public. Ce qui est la différence entre OPJ et Soussiat. Mais j'ai fait un niveau. Il y a OPJ et Soussiat, ils ont la capacité de faire un moto dans le cachot. Cette compétence qui est l'OPJ et IGF, ils ont la moto. Voilà pourquoi on l'appelle l'OPJ à compétence limitée. C'est ça qu'il faut savoir. Mais quand vous avez un plateau, quand vous avez une sensation. Très bien, Augustin Kabuya. C'est une notion que vous ne maîtrisez pas. Augustin Kabuya, vous terminez. Ça dérange. En 2 minutes, il vous reste 2 minutes. Pour ce qui est dossier Augustin Kabuya, je suis parmi ceux-là qui ont toujours été contre la manière de faire Augustin Kabuya. Pourquoi?
parce que je suis de ceux-là qui combattent pour la vérité. Alors, ce qui est allé les lots, bateau tout va combattre le secrétaire général Augustin Kabuya et Ali, bateau va aller dans la politique. Oh. Ba frustré politique nous tout ba sangani entre bango pour ba combattre Augustin Kabuya parce que na kata ba nomination et Salemaki laisser jo Augustin Kabuya après ça qui bango sanité sauf que Augustin Kabuya après ça bango sani le kola bandaka la nende konanga oyo na Sylvain Mutombo bandaka ba te ba de nous Augustin Kabuya association de frustrés et de lui de peste ne ba e combattre l'association il y a pas vendeur de poste s'il vous plaît Augustin Kabuya komi mabe tant qu'on appelle ça Kayo, Atara Kombo est président na yo, na liste pas sa vice ministre de la défense. Kabou était vice, s'il vous plaît, c'est pas lui qui avait. S'il vous plaît, allez terminer. Tant qu'on Atara Kombo na yo, il était bon. Mm. On lui présentait des civilités. Les locaux maboy koti a Kombo na liste, la liste y a ba ministre, Kabou ya devient mauvais. Et Teni Longondo aujourd'hui qui vient crier que non, Kabou est incompétent. Ministre. Et Teni Longondo monsieur, tu as été ministre de la santé publique na Mbokoyo. Bakanga yo kutu pona makambo ya misolo. Oyiba misolo ya mboka, ba misolo ya COVID-19 e bunga. O justifié te. Mais aujourd'hui, tu viens te comporter en dehors de l'État pendant que tu as été dans le cabinet là-haut, à ta combattant morte à Udepes, à se retrouver qui. Et aujourd'hui, tu viens maintenant profiter de la sueur de ces combattants pour venir te faire un nom, pour venir te redonner la confiance de l'UPS. En tout cas, Botika Yango. S'il faut faire tomber M. Kabuya, texte Ali. Texte est parti Ali, aller dans des voies textuelles. La même commission est nommée qui est parce que toutes les administrations et Ali régine à principe de la paralysme des formes et des compétences. Donc la même autorité, le même organe est nommée qui est Pesaki Bokondi. Et Ali Mena Makoki Wana, il y a Kolomona Bokondi Wana. Donc Koluka manœuvre dilatoire sans qu'aucun mécanisme textuel Ali prévu. En tout cas, Ali Mabaye m'a bien coupé sa Sony Mingi. Bon digérer le Koso, bon digérer Nzala parce que vous avez été un collier pour ça et l'autre côté. Et Teni Longondo. Merci. Sylvain Mutombo Kambinga, besoin qui était un collier à Moulia qui tourne à Bleu Koki, militant pas à ta mort à ses droits qui était. Bossi Kapé Kabuya, allez, s'il vous plaît, chance d'abattre mon sou, soyez sain à Kolongolae, on ne peut pas donner la chance à une personne. Merci beaucoup, allez, Augustin Kabuya Chilumba, s'il vous plaît, Augustin Kabuya Chilumba, la fession bondée. Augustin Kabuya, donc à Milling à la Missou. Mais oui, les Abatouanzala. C'est la nano. Augustin Kabuya, donc à Milling à la Missou. Est-ce que Ebine et Sala Jamar Kaboun? À ce Pelagaï, Jamar Kaboun, c'est Pela. À ce Pelagaï et Sala Jamar Kaboun, il est indé. Jamar Kaboun, donc à Milling à la Missou. S'il vous plaît. La tour à Jamar Kaboun, c'est Pela. Le tour Nayo. Malo bagamoki tourna ekoki Augustin Kabuya koyoka Jamar Kabuya oh non Jamar Kabuya kei yobo kimi yezwa kateke no nge ya yo wana c'est fini fils à maman monsieur tu vas partir baliangando va se monsieur tu dois partir Allez, merci, cette émission est complètement terminée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Et merci aussi à nos invités. Ils étaient présents avec moi, M. Jean-Ville Moukouna, qu'on a libéré rapidement pour une urgence. Raphaël Kimbuta, SID, Moïse Kilolo, RDT, Rabi Epa, la école de communicateurs. Merci à ces quatre jeunes d'avoir répondu à notre... Oh, papa, qu'est-ce que nous allons avoir? Bon, Maro, on représente la FADEC. Ah, papa. Allez, laissez-moi dédier cette émission comme ça à Madame Prisca Malembe, chantre de l'église, les disciples de la parole, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Madame Prisca Malembe, heureux anniversaire à vous. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse énormément du bien. Que Dieu vous bénisse, Madame Prisca Malembe. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Qu'il vous bénisse abondamment. C'est de la part comme ça de James Muka, le réalisateur par excellence de CML13 Télévision, qui a voulu qu'on puisse vous faire un souhait en direct de cette émission. Mais pas de photo, James. Là n'est pas le problème. Mais sinon, heureux anniversaire à vous, Madame Prisca Malembe, et que Dieu vous,
Tout-Puissant vous bénisse, surtout que vous êtes chantre de l'Église, les disciples de la parole. Allez, on se retrouve le samedi pour le dernier numéro de la semaine de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien et bon tout de la journée chez vous. Au revoir et on se salue.